RMC 7h05, la traque se poursuit dans les Alpes-Maritimes. 200 gendarmes sont à la recherche d'un homme de 33 ans, considéré comme armé et dangereux. À Gréolières, un village de montagne, il est suspecté d'un féminicide qui s'est déroulé dimanche à 100 km de là, au plan de la Tour, près de Saint-Tropez. Il aurait ensuite tiré sur un gendarme qui venait l'interroger. Samy était l'une des meilleures amies de Doriane Ragon, la victime. Et en fait, lui voulait être avec elle et elle ne voulait pas. Il a harcèlé depuis 2 mois. Elle voulait rester amie avec lui et lui, il voulait plus. Quand j'avais demandé de le bloquer sur le téléphone, elle m'avait dit qu'elle est peur de qu'est-ce qu'il va faire si elle le bloque. Elle était une fille magnifique, elle était gentille avec tout le monde. Tu ne crois jamais que quelqu'un est capable de faire ça. C'est pas possible.